fuck out! Motherfucker! Boom! Yo! The Mafia! Oh, 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 BOOM! Hey, salut à tous les amis, c'est Okai, aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode de Jurassic Park Opération Genesis. Allons-y, nous chargeons la partie, nous sommes à 3 étoiles et demie. Et pour l'instant, tout va très bien. Je relance mon petit chrono. Vas-y, Pépère, on y va. Voilà, donc le dernier épisode a été assez long. Avec pluie de paroles complètement inutiles à la fin, voilà. Donc, par contre, hein, vous me dites pas, hey mec, t'as pas parlé des trucs que je t'ai dit l'autre coup. Non, hein, là, je tourne les épisodes. Là, j'ai tourné l'épisode d'avant, juste avant. J'ai enchaîné 3 épisodes, l'épisode 8, 9 et 10, là pour l'instant je les enchaîne, et j'enchaînerai certainement sur le 11e, peut-être même le 12e si j'ai la place dans le disque dur. Donc voilà, venez pas me dire, au fait, pourquoi t'as pas parlé du truc que je t'ai dit dans l'épisode 9? Non, non, c'est parce que là je l'ai pas vu en fait, tout simplement c'est parce que je l'aurais pas vu. Mais bon bah écoutez, nous avons beaucoup de fossiles là pour l'instant, et beaucoup d'occupations dans ce parc avec ces carnivores de merde. Message du docteur Grant. Une pile du boulot, voilà, j'en ai marre. De l'ombre, oh. On va éviter ça, l'ombre, parce que je crois que je suis full. Full, 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 full. Eh ben, écoutez, si je comprends bien, excusez-moi, le massif, El Creek, machin, bidule, monnaie, là. Acrocanthoso, on l'a, para, on l'a, taureau, on l'a. Bon bah on a tout à fond. On a tout à fond. Le triceratop. On l'a pas à fond ça. Triceratop. Triceratop. Non, pardon. Non, t'es... Non, pas petit carnivore, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon d'accord. Triceratop, 74. Pourquoi 74 de triceratop? Massif Hell Creek B. Bon bah écoutez les mecs, on retourne sur B. Message. Vous retournez tous sur le Hell Creek B s'il vous plaît. Allez les mecs! Merde, pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi. Fini le boulot. Vous déménagez, vous changez de région, vous prenez le bus et vous allez 3 km à côté. Merci. Démerdez-vous, dépêchez-vous, grouillez-vous. Double batterie. Oh putain. Tu me fais chier, toi, sérieusement. Accélérateur de croissance. Voilà, premier truc qui vient. Vas-y, bonne chance. Oh, mais ta mère. Fuck l'antisatisfaction, j'en ai marre. Oh, bon, du coup, l'ambre. L'ambre, bah là, on va la vendre, hein, écoutez. On a rien d'autre à faire. 52 000 ? Eh, mais pluie d'argent ? Pluie de monnaie, mes amis ! Nous sommes riches. Nous sommes actuellement très riches. Nous allons donc faire également une pluie de dinosaures. Taurosaurus, tu m'en fais 4 ! Allez, grouille-toi ! Un troupeau de taurosaurus ! J'en veux 25 000, tu m'en fais un troupeau. Ça coûte pas cher, en plus. Tu m'en fais masse. C'est quoi, ces deux trucs-là ? C'est les extracteurs de ma forme de vie, machin. Tout va bien. Oui, c'est ça, maman. Oh, ce dinosaure qui dit maman à chaque fois. What the fuck? Seriously? Sérieusement, un dinosaure qui dit maman. Salut. Enfin, je sais pas. Il y a un moment où il faut arrêter. Densité. Densité, je comprends pas. Densité. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée d'un nouveau dinosaure, le Taurosaurus. Cet herbivore du Crétacé fera la joie de tous. Oh, une grosse vache. Mon dieu, bah commentons un peu ce délire. Déjà, mec, bon, ok, t'as l'air un peu tanky comme ça et tout, mais t'as quand même une bonne tête d'abruti et des putains de cernes. Je sais pas quel type de no life tu es, mais putain, je pensais pas qu'il y avait pire que moi dans la vie. Et alors, bon, ne prenez pas ça comme... Enfin, je voulais pas le dire comme ça, mais franchement, il a une petite queue, ce gars. Il a franchement une petite queue pour un dinosaure, bordel. Voilà, quoi, je suis désolé, mais... Mec, il y a que ça qui est foiré dans ton corps, en fait. Sinon, à la limite, bon, tu serais pas trop mal. Ouais, non, tu crains, t'es vraiment une grosse vache. Bon, cassos. Je suis désolé, enfin, voilà, lui... Il a pas une petite queue. Puis au moins t'as l'impression qu'il va faire mal s'il te donne un coup de queue justement. Non, mais non, pas barrière. Espèce de crétin. Ça ! Tu crois que c'est une petite queue ça ?
Mais non, c'est un poulet de l'espace. Ça n'a pas de petite queue, les poulets de l'espace. Ça. Non, ça c'est bien baleine, c'est ça aussi. Ça. Bon, alors ça, on peut même pas en parler, c'est une queue de 10 km de long. Et puis les Urano Bazar, la même chose. Donc voilà quoi, il y a un moment. Urano Bazar, il a une queue énorme. Même chose. Donc non, je suis désolé, c'est vraiment ces triceratops de merde là qui sortent à rien. Alors par contre, premier dinosaure qui vient voir de ce côté là. Je pensais pas qu'ils y venaient voir. Si vous pouvez sortir du parc, nous aimerions vous parler. Bah oui, je peux sortir, je peux prendre un hélicoptère, bonjour. Votre parc est dans les temps, contenez comme ça. Et dans les temps? Parce qu'en plus, il y a un chrono. Ah mais je savais pas. Il y a un chrono, vous êtes sérieux? Attention, une tempête approche. Oh non, 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 non. Tempête ou tornade? Tempête. Bon, tempête. Orage. Bon. Ça va. J'étais en train de me dire, oh non, voilà la tornade. Et du coup, par contre, je suis en train de me demander un truc. Est-ce qu'on voit l'électricité flancher ou pas? Ce sera à voir, ce serait marrant. Est-ce que le stress des dinosaures augmente durant les tornades? Enfin, durant les tempêtes. Est-ce que leur stress augmente? Ce serait très marrant à savoir ça. Bon. Serait-il possible oui, de vous rencontrer? 4 étoiles. Oh my god. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah. 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 Moment dur. Moment dur. Moment du choix. Moment de l'infini. Moment incroyable. Alors. Stegosaur, Ceratosaur, Dryosaurus. Là, le site A du massif Morrison est à 100% rentable. Nous avons deux herbivores et un carnivore. Voilà. Ceratosaurus est un petit carnivore, c'est-à-dire si je me souviens bien. Donc, pas mauvais. Le site B, moyennement rentable. On a quand même un carnivore qui crache du poison. La blague, il a jamais craché de poison. Enfin. Débattez de ça en commentaire. Et un autre herbivore qui est relativement classe, mais voilà quoi. Bon. Ok. Nous avons maintenant Judith. Judith, groupe A. Ankylosaur, Albertosaur, Pachycéphalosaurus. À part le Pachycéphalosaurus, c'est rentable. Ankylosaur a la classe et l'Albertosaurus, bon, c'est un carnivore. Classique. Site B. Non, je n'irai pas au site B. Corythosaurus, donc dinosaure relativement cool. Enfin, une vache, quoi. Syracosaurus, donc une vache à cornes un peu plus évoluée que l'autre espèce de gros ton qu'on vient de mettre. Et le T-Rex. 5 étoiles. Pluie d'étoiles. Mais ça reste un T-Rex et ça me fait chier de prendre un T-Rex parce que ça va être chiant à développer. Et nous avons Chenini. Chenini. Carchrodontosaurus. L'espèce d'équivalent du T-Rex, le copain du grand requin blanc apparemment, tout ça, donc un mec qui pèse un peu là, vous voyez, le carachoro, bref, attends, on va essayer de prononcer ça, Cacharadontosaurus. Bon, d'accord, apparemment il serait de la famille du grand, enfin, il serait homonyme avec le grand requin blanc. Donc ça se trouve, Cacharadontosaurus, ça veut dire grand requin blanc. Enfin, je sais pas. Même si ce serait complètement con. Enfin bref, je sais pas du tout. Mais pourquoi ils ont dit homonyme là pour le coup? Oui, vous me posez une colle. Enfin bref, on s'en branle. Uranosaurus, que je n'ai pas encore et qui lui est magnifique parce qu'il a une crête. J'aime bien les voiles dorsales sur les dinosaures, je trouve ça super classe. Et un Spinosaurus, donc le Spinosaurus, si vous ne connaissez pas, c'est un dinosaure qui fait du breakdance. Parce qu'il spin. On applaudit cette blague de merde, s'il vous plaît. Le Spinosaurus, dinosaure. C'était la blague de merde. Dinosaure qu'à la classe. Dinosaure relativement. Énorme si vous n'avez jamais vu de Spinosaurus. Alors oui, je vais vous présenter un peu le bordel. Dryosaurus, donc c'est ce bordel. Ça vaut rien. Ah, une étoile. Ça, t'en mets 25 000. T'en mets juste 25 000. C'est le poulet de l'extrême du Jurassique. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Donc, Camarasaurus, vous voyez la classe qu'il a?
Je l'aime bien, lui, il est joli. Donc là, le Corythosaurus, bon, ok, sans branle. Ça, Brontosaurus, il a la classe, il a une crête. Il vaut 2 étoiles, et celui-là, il vaut... Ah, 3 étoiles, pourquoi il vaut 3 étoiles? What? Bon, je sais pas pourquoi il vaut 3 étoiles. Petit carnivore, le Vlad Ceratosaurus. 2 étoiles, oh, mais c'est de la merde. Cannibalisme. Oh, 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 oh. Ce serait marrant, ça, de voir deux dinosaures se battre entre eux. Et enfin, donc, vous voyez, Carachalotosaurus et surtout, Spinosaurus, 5 étoiles. Oh. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Bah, écoutez, je crois qu'on va partir. Le T-Rex, on pisse à l'arrêt, le T-Rex, il m'énerve, le T-Rex. Voilà, il est rapidement stressé s'il est privé de nourriture ou de chasse. Et bien sûr, le T-Rex, ça va être le seul, comme à chaque fois, dans tous les jeux, je suis quasiment sûr à 200% que le T-Rex, ça va être le seul dinosaure que tu vas le poser, il va faire... Au fait, moi, je ne bouffe que les dinosaures, hein. Ah non, moi, je suis un connard, hein. Serre-moi un Nontosaurus, maintenant. Sinon, ça va pas le faire. Dinosaure d'enculé, quoi, c'est... Typical dinosaure de merde, quoi. Parce que je suis désolé, enfin, déjà, rien que dans Zoo Tycoon, l'extension Dinosaur Digs, donc ça, c'est Zoo Tycoon 1... Pour la petite histoire, nous avions également un T-Rex dedans. Et le T-Rex, alors déjà, il fallait le placer tout seul dans son enclos. Sinon, il gueulait. En plus, ça, quand il grandissait, il prenait une place tellement énorme que son enclos fallait multiplier par 10. Il voulait plein d'arbres. Mais, chaque fois qu'il marchait sur un arbre, il le cassait. Donc, il disait, au fait, il y a une ruine d'arbres dans mon enclos. Je n'aime pas ça, remplace-le par un arbre. Pourquoi tu les écrases alors, connard? Bien sûr, il voulait une caverne en plus. Enfin bref, typical dinosaure enculé, quoi. Il faisait chier, il faisait chier, il faisait chier, il faisait tout le temps chier, il se battait avec ses potes et tout. Tu mettais deux T-Rex dans un même enclos, il finissait par se regarder et faire au fait, meurs. Voilà. Mec, c'est ta meuf là, bouffe pas quoi. Et ça, c'est typique le T-Rex et ça m'énerve. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai une très mauvaise expérience avec les T-Rex. Je préfère largement le Spinosaur. Lui, il n'y a pas à se demander quoi. Ce dinosaure est cool. Mais vraiment très cool. Et en plus de ça, il est beau. Oh, mais il est tellement beau le Spinosaur. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre ça. Pourquoi la tempête à m'en veut? On va prendre ça, je pense. On va aller là-bas. On va faire. Voilà. Par contre, juste un petit truc pour ça. Ceratosaurus vaut 2 étoiles, 1 étoile. Et ça en vaut 4. Si je me souviens mal, le Stegosaurus, ça fait un total de 7 étoiles. 7 étoiles. On s'en branle. 7 étoiles, là, ça fait du beaucoup. Beaucoup d'étoiles. Ouais, on va quand même prendre ça pour l'instant. Massif Chenini. Ah oui, d'accord! Ah oui! Ah, mais je me sens baisé! Ah, mais je me sens baisé! Ah, mais quand j'arriverai à 5 étoiles, j'aurai même pas le droit d'en redébloquer un! Fuck! Non! Bon, bah, tous ceux qui voulaient voir des T-Rex, hein, condamnés, c'est fini, à partir de l'épisode 10, vous faites une croix dessus. Voilà, ceux qui voulaient voir des Stegosaures, ben, même chose, vous faites des croix dessus, c'est fini. C'est fini, bah, écoutez. Bon, bah, j'ai envie de dire, dommage, mais c'est pas grave. Au final, c'est pas grave, parce qu'on a quand même des dinosaures appréciables et appréciés, bien sûr. Nous avons quand même du bon dinosaure. Là, on aura quand même un spinosaure dans le parc, quoi. Faut arrêter de déconner. Et puis des raptors. On a les raptors. Le seul truc à 5 étoiles qui nous manque... Attends, le seul... déconne pas. Le seul truc à 5 étoiles qui nous manque... C'est le gros bazar aux Russes, là, de merde, là. Styracosaure 2 étoiles, on s'en fout. Grand étoile, qu'est-ce que tu veux. Ça... 5 étoiles, on l'a. Ankylosé. 4 étoiles, bon, on l'a pas, dommage, parce que je l'aime bien. Lui. Le Stegosaure, 4 étoiles, bon, on l'aura pas, dommage. Triceratops, lui, 5 étoiles et on l'a. Vélociraptor, 5 étoiles et on l'a. Dilophosaurus, 2 étoiles, donc on lui pisse à l'arrêt. Albertosaurus, 3 étoiles, ah, bon. Bon, lui était sympa apparemment. Ok. Celui-là, 5 étoiles et on l'a. Carachamble, 4 étoiles et on l'a.
Allosaurus, 4 étoiles et on l'a. Acrocanthosaurus, 4 étoiles et on l'a. Le seul qui nous manque à 5 étoiles, c'est cet enfoiré de T-Rex. On est bien. Mais on est putain de bien. Mais on est même méga putain de... Enfin, j'arrête, mais là, quand même, on est vraiment bien. On est vraiment super bien. On part sur du bon dinosaure. Là, je suis content. Là, je suis très content. Taurosaurus, Edmontosaurus, Brachiosaur. Ah, j'ai que 55, c'est vrai. Triceratops, pour l'instant, on s'en fout. Paraloro machin, tu m'en fais 4. J'en ai marre d'en avoir un tout seul, ça me fait chier. Tu m'en fais 4. Voilà, s'il te plaît. Message urgent de l'administrateur. Un de un nouveau, c'était quoi? Quoi? Oh fuck. Salut. Arrêtez tout! Ah! Mec, t'écoles! Ah oui, merde, c'est la tempête! Ha! Merde! Panique pas! T'es chez les herbivores! Ouvre la porte! Merde, merde! Putain, non, j'ai pas pris les gyrostabilisateurs! Merde! C'est la merde! Tenez bon! Oui, non, on va venir vous sauver. Ne vous inquiétez pas. Bon, je pense que vous êtes inquiet. Quoi, t'as sommeil? On fout tes sommeils. Bon, pour l'instant, t'es heureux. Bon, bon ça va! Non, épouse-toi, salope. Attends. Hein? Ah oui. Youpi, à conduire. Hop, pardon, bonjour les dinosaures, tu permets que je te passe sous la queue, voilà, hop, pardon, excuse-moi, hop, je fais du rallye. Voilà, excusez-moi, pardon, pardon, excusez-moi, on va éviter d'embêter les triceratops machin. Wow, laisse passer. Oups, pardon. Me fonce pas dessus, merde, la bagnole est en train de me lâcher. Plouf. Ah, fuyons. Voilà. Bon. Comment voulez-vous procéder? Oui, tu vas prendre les gyrostabilisateurs. Ça va être utile. Ok. Quelles sont vos instructions? Sinon, le Triceratops, ça t'emmerderait de le trouver? Vous devriez venir plus souvent. Oui, j'aimerais. J'aimerais venir plus souvent. Bah écoutez, je crois que c'est la merde. Je vais faire une petite coupure. Vite fait, et je reviens après. Et oh les amis, bon, bah c'est la merde. Soleil. Toi. Mais ouais, t'es où? Content de vous voir vérifier que tout va bien. Non, je... Ah, ta mère, le portable. J'espère que vous n'aurez pas eu le vieux bruit. Vieux bruit de merde. Alors... On peut vraiment les faire que un par un? Oh, mon chier. Salut. Bon, on va le laisser faire. On va le laisser faire. Non, ils sont heureux, ils ont fait nos heures de près. Oh, ils ont faim, bon, pas grave. Mais non, mais je parie qu'elle est très contente. Je parie qu'elle est très contente de son expérience à Jurassic Park. Ça doit être cool de se retrouver plongé dans un enclos avec les dinosaures autour de toi et tout. Message de l'administrateur. Non. Il y a tant de fabuleux dinosaures. Les mecs sont pas contents, soi-disant. C'est une blague. C'est une super blague. C'est pas grave, hein, écoute le jeu, on te pardonne. Alors. On va s'étendre par là. On va faire une fenêtre d'observation. Une autre fenêtre d'observation, voilà. On va en mettre plein. On va mettre un dôme d'observation également.
On va mettre un autre dôme d'observation. Ici pour les Albertosaures. Un autre dôme d'observation. Parce que j'aime bien les dômes d'observation, je trouve ça cool. Ici. Message urgent de l'administrateur du parc. Quoi ? Quoi ? Salut. Comme vous le savez, il y a eu récemment un accident dans le parc. Accident qui s'est soldé par la perte de vies humaines. Ce type de mauvaise gestion, non seulement affecte notre réputation, mais il fait perdre également de l'argent à Ingen. Beaucoup d'argent. Oups. Oh, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. On est mort. On a des morts dans le parc. C'est très bien. On a des macabées dans l'enclos des... On a des macabées dans l'enclos des herbivores. Vous foutez de moi. Est-ce que je peux leur rouler dessus? Est-ce que je peux être barbare? What? Putain, ils sont solides. J'ai dit que je te roulerais dessus, ma parole, je te roulerais dessus. Ah bah. Non, il meurt. Il meurt, je te dis, meurt, toi qui es déjà mort. Ouais. Ah mais non! Message du docteur Grant. Bon, ils ont disparu, très bien. Bon bah écoutez. Ça me fait un peu... Oh, pardon. Excuse-moi, bonhomme. Ah, ça y est, il fuit sur deux pattes. Je l'avais dit, c'était des poulets. On va se taper le demi-tour, hop. Allez, demi-tour. On rentre en arrière, like a boss. Bon, très bien. Bah, nous avons deux décès. Vous devez prendre une décision. Il est mort de maladie. Quoi? Comment il a fait pour mourir de maladie alors que tous mes dinosaures... Ce n'est pas bon. Qu'allons-nous faire? Que devons-nous faire ici? Triceratops, tu l'extrais. Opal, tu vends. Bon, au pire, c'est pas grave, je suis riche. Au pire, j'ai envie de dire, l'argent résout tous les problèmes. Voilà. Ça s'oubliera vite. C'est pas grave. Ça s'oubliera quand j'aurai sorti des nouveaux dinosaures. On va acheter ceci. Super. Voilà. On va acheter ça pour booster ça un peu forme. Super. Le Triceratops. Et puis au niveau recherche de fossiles, vous allez aller... Vous allez aller ailleurs, vous allez faire... Non, attends. Non, c'est pas là que je veux vous ayez. Voilà, vous allez aller là. On va en mettre un partout. Et vous allez essayer de me trouver du brachiosaure, s'il vous plaît. Du brachiosaure, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous ? 83%, ça va le faire, ça, 83%, je pense. Ouais, ça va le faire. Bon, bah écoutez, nous avons deux décès à la vanille. Nous avons deux décès dans le parc. Nous avons une tempête. C'est la merde. Voilà, puis le mec qui gère trop mal son parc, quoi. Oh, mon dieu. Par contre, nous avons Mastune. Bizarrement, quand il y a des morts et tout... Bah y'a Mastune. Oh, blague. Bon. On va aller acheter un petit tos de Triceratops. Voilà. Tout à fait. Un petit tos. Tu vas m'extraire ceci. Et écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Très bien. Ça fait déjà 20 minutes, c'est incroyable. C'est incroyable comment ça s'est passé super vite cet épisode. Cet épisode est vraiment passé vite. Et bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Tout de même. Cet accident formidable. Formidable du mec qui est mort, quoi. Il est juste décédé. Un petit peu d'étude de dinosaures. On voit qu'il y a Mastino. Hein. Là, on est en train de, on est en train d'atteindre des sommets, j'ai envie de dire, au niveau dinosaures. Il y a de plus en plus de monde. Plus en plus de dinos. C'est pas trop mal. Maintenant, il y a juste à éviter que les gens meurent. Surtout de maladie, quoi. Là, je comprends pas.
Et bah écoutez, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter la vidéo, à y mettre des pouces verts, surtout beaucoup de pouces verts, et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de l'aventure sur Jurassic Park ou sur plein d'autres jeux, écoutez. Bah sur ce, salut à tous et à la prochaine. Allez hop, la petite sauvegarde comme d'habitude. J'ai failli ne pas faire la sauvegarde. Oh mon dieu, j'ai failli pas faire la sauvegarde. On est descendu de 4 étoiles à... Dommage, 3 étoiles. Et bah écoutez, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Allez hop.